Bienvenue sur evangileternel.com. La rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre en ce moment le docteur Albert Kalokabunda, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Gallo? Allez sur christequality.com/albertgallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, nous voulons prier. J'invite l'apôtre Dieudonné qu'il vienne prier pour nous. Amen. Aya, pour la bonne ambition. Je l'aime beaucoup parce qu'il est amoureux des Écritures. Merci, Nkolo Yesu Kristo. Pour être na tango to zwami awa mingi. Ozwami na kisale zangitina. Mele misi biso pamba tolo biete. Kwe pae na ngayi binu bae kuzana mi kumate bolimi. Na kopesa binu kopema. Tuye awa nzambe poto zwa kopema kute pae na yo. Ya moto bonji na tango eye. Na mutu ya monene liloba. Ete Nkolo Yesu Kristo yendo zala mutei. Pe komami na tango na suka. Mutakote ya mwanyo lete te yeba nzambe. Nous allons voter dans solo. Si vous êtes Seigneur, vous êtes un homme qui est 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 un Et au Kanako, Yangi Langonga, Oya de Kino Soka, de l'Isabelle de Lobatongo Sika, de Koubiki Sarapé,
Amen. Amen. Nous sommes pas ici hors d'un temple. Nous sommes dans notre temple. Vous devez savoir ce que vous devez nous apporter dans le temple. Vous devez éviter d'être ici comme vous êtes à l'extérieur. Ici, nous sommes dans la communauté des églises des saints. Ceux qui ont l'évangile éternel. Et qui condamnent les faits du dehors. Nous allons demander à nos chantres. Prochainement, soyez convertis. Pour ne pas nous apporter ici les attaques du monde. Vous devez savoir que derrière vous, il y a les hommes de Dieu. Quand vous chantez n'importe quoi, si comme les hommes de Dieu vous ont prêché ça, tous les cris du monde, allez mettre ça dans le bar. Allez ici. Amen. C'est tout ce qui nous a donné. Et tout ça, nous ne voulons pas de ça. Amen. N'oublie pas qu'il faut demeurer dans le silence pour écouter la parole. C'est dans l'amour que nous avons parlé. Amen. 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 Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Avant de vous enseigner sur une phrase dans la prière de Jésus-Christ. Et cette phrase nous aidera. De comprendre la manigance de Satan. Ce que Satan fait dans nos vies. Pour que nos prières ne soient pas exaucées. Et que la bénédiction du Seigneur ne soit pas dans nos familles ou dans nos églises. Et après quand nous allons prier, Dieu te donnera ce que tu as besoin. Car c'est ton sacrificateur de bénir le peuple. Je suis là au nom de tous les prédicateurs que vous avez. Et quand je prêche, ce sont eux qui prêchent à moi. À part celui qui n'est pas dans cette parole. Celui qui ne
croient pas à la parole de Dieu. Car nous allons parler de la parole de Dieu. Avant toute chose, je veux faire quelque chose. Ce que je veux faire, je vais faire au nom de Jésus. J'ai besoin qu'on nous amène le pasteur Matathias. Et puis, docteur Hubert Famba. Molakisi Hubert Famba. Et prophète Timothée Chalo. Mosakoli Timothée Chalo. Nous avons besoin de ses frères. Et nos collègues là. Qui se présente là devant nous. C'est très important. Et ça n'a dit tout pas monnaie. Regardez les peuples. Ils sont à droite. Amen. On les présente contre les ennemis de la vérité. Nous les présentons contre les ennemis de la vérité. Mais nous les présentons pour les amis de la vérité. Qui est l'ami de la vérité? C'est celui qui voit l'écriture s'accomplir. Qui est l'ennemi de la vérité? C'est celui qui bouge quand une écriture est en train de s'accomplir. Au milieu de nous, nous avons les ennemis de la vérité et les amis de la vérité. Amen. Amen. C'est toi, collègue, homme de Dieu. Bah, Ninga et Moussala, bah, tu l'as envoyé, Mista, tu Oyo. Il y a celui qui veut. Et celui-là aussi. Ennemi de la vérité. Mon Bouna est solo. Amen. Et il y a Pasteur Matthias. Et Zalina, on va te dire, n'a pas de Matthias. Matthias. On va te dire, n'a pas de Matthias. Docteur Libère, voilà qui s'y libère. Et le prophète Timothée Shalom. Et Moussakoli Timothée Shalom. Amen. Vous savez ce que je veux faire? Vous voyez le colis dans la nous voulons vous présenter ce peuple, ces serviteurs, parce que nous avons reconnu en eux quelque chose qui peut apporter une contribution dans l'Éphésiens chapitre 4. Amen. Avant de présenter ces gens qui sont nos amis et nos frères qui sont les serviteurs de Dieu, nous avons mangé le gibier à eux. Nous avons essayé par la grâce du Seigneur. Timothée aimé et grandi au milieu de nous. Timothée, abotami, pe, apolikas, naviso. Je l'ai laissé et je l'ai toujours encore persévéré dans le Seigneur. Natika qui est peine à Yesu, kokuta, yepo, umela, kati, napolo. Hiver, mais grandi parmi nous. Hiver, abotami, pe, apolikas, naviso. Je l'ai laissé, je l'ai trouvé entré et encore de persévérer dans le Seigneur. Le pasteur Matathias. Matathias. Mais dans la parole grandie au milieu de nous. Tous ceux qui l'ont écouté. Et des ministres. Et les pères et les aînés. On reconnaît en lui un don pour la construction de l'œuvre de Dieu. Amen. Si vous avez des choses à reprocher à ces trois, sachez que vous nous avez donné
Votre souveraineté, nous l'incarnons. On a eu le temps de faire le travail dans chacun d'eux. Donner les conseils. Réprocher. Afin que quand il entre dans le travail, que le sérieux se manifeste. Docteur Hubert est marié. Il y a ceux qui disent, on ne le voit pas. Vous allez commencer à le voir avec sa femme en train de sillonner partout. Amen. Je sais que ce que je vais enseigner aujourd'hui va enlever tout ce que tu as dans ta tête. Le prophète Timothée. Bientôt il va se marier. Oui, ça c'est Yakubala. Il est fiancé. Avali Mobandisinalibala. Le pasteur Tamboué, avec les corps des ministres, m'ont dit que normalement c'est quelque chose qui allait se faire depuis longtemps. Amen. Pasteur Mathias. Marié. Mais le ministère n'est pas lié à ça. Ça ne veut pas dire que s'ils n'étaient pas mariés, Dieu n'allait pas leur donner le ministère. Amen. Alors nous disons que recevez-les dans vos cœurs. Et écoutez-les. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-les. Je ne vois pas les amens. Écoutez-les. Même si tu avais quelque chose avec lui. Deux minutes avant qu'il vienne ici. C'est déjà arrangé avec toi. Et si Ebongi Sami est l'ongo moko na yo. Amen. Amen. Les amis de la vérité disent amen. Baninga ya solo, bazali koloba yo. Les ennemis de la vérité ne peuvent pas dire amen. Ba nguna ya solo baoki kondimate. Alors frère, mes collègues, mettez-vous à l'ordre à gérer, nous allons prier. Que ton pantalon ait des problèmes, mon frère, c'est pas grave. Amen. Est-ce que vous acceptez de les recevoir? Amen. Vous acceptez de les recevoir. Ici, il n'y a pas les amen. Ah, pardon, dit matin. Vous acceptez de les recevoir. Les corps des hommes de Dieu. Vous acceptez de les recevoir. Je devrais quand même vous promettre. Et vous, et chaque homme qui joue des problèmes, vous acceptez de les recevoir. Vous acceptez de les recevoir. Amen. Alors, Nabongo. Maintenant, ça, ça y est, les genoux. Toquez les mains. Le prophète Timothée, Mosakoli Timothée, et le pasteur Mathathias. Comment vous voulez les voir dans l'œuvre du Seigneur? Quelle conduite que vous voulez?
Et nini oyobino bolingi. Qu'est-ce que vous voulez voir dans leur ministère? Et là, quand il bolingi, comment on a le tour la paix de ces gens ici. Satana alinga komona bato oyote poete azalina somo na bango. Alors nous allons prier na bongo tokobondela pour que ton Dieu natina ete nzambe na yo l'inquiétude que tu as kotongisa mo azalina yango ce que tu veux voir qu'un homme de Dieu soit oyo lingi ete mozalaka qu'un homme de Dieu doit avoir et tambo leo mose na mesi le comportement de l'homme de Dieu ezalelia mo na mesi. Pasteur Tambo. On va dire n'a pas Tambo. Pasteur Franck. Molakisi Franck. Ils vont entourer ce serviteur et représentent les corps. De paix. Les aînés parmi les aînés qui ont suivi le père. Et puis d'autres serviteurs qui ont suivi les aînés. Et ils représentent tout le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire le fait d'entourer, nous allons fermer nos yeux et vont faire la prière dans leur cœur tel qu'ils pensent voir aussi ses serviteurs. Et pendant ce temps, nous allons accepter ce que Dieu a fait en eux et ce qu'il continuera à faire. Mais la main, tel qu'on est là, le Père pose la main. Amen. 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 Et notre main, nous mettons la main. Les présences, les aînés, tout le monde, sont en train de mettre, ils ont dans nos mains, il y a aussi leur main. Amen. Mais ils vont rester dans la prière pendant que nous allons imposer le main. Je ne donne pas le ministère. Non, le ministère est donné dès avant la fondation du monde. Nous confirmons cela qu'il y a le ministère ici. Amen. N'allez pas dire que le docteur Caleb a donné le ministère. Ils ont déjà le ministère. Nous confirmons et nous les acceptons dans les corps des ministres. Alors pendant que nous allons mettre le main, vous qui représentez d'autres ministres, vous êtes en train de faire la prière. Et le peuple, vous gardez l'esprit de la prière aussi. Au nom de Jésus-Christ,
Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Parce que tu as donné quelque chose dans mon frère Ibé. Aujourd'hui, tu veux le mettre à part pour qu'il devienne celui qui a un travail au milieu de ses frères. Au nom de Jésus, nous reconnaissons que toi, l'Éternel, et yo, Yahweh, tu as mis quelque chose en lui. Et nous prions pour que que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Nous prions pour le prophète Timothée, que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Nous prions pour que l'onction que Dieu a mis sur toi soit un exercice pour le corps de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur notre Dieu, je veux en ton nom que tous les esprits qui peuvent entraver la bonne marche de ce ministère connaissent l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous confirmons le ministère et nous vous acceptons dans le corps de Jésus. Mon bien-aimé pasteur Matathias, nous reconnaissons le ministère de Dieu en toi. Nous acceptons dans le corps. Et le deuxième chapitre 4, nous prions que Jésus-Christ t'accompagne et que pour de bonnes choses s'accomplissent à ton ministère. Et ainsi nous disons au nom de Jésus que rien ne puisse nuire à ton ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah. Amen. Ah. Maintenant au peuple, ça ne fait pas Yanibota. Ces hommes sont les écoutés. Bato Oyo, Bazali Oyo, Kanibangres aujourd'hui. Commandale non. Ils sont mes collègues. Bakoni Maria Yamosa, collègues de Jonge. Maria Yamosa aussi. Le pasteur Matathias. C'est un don pour l'église de Mangobo. Il sera le don pour toutes les églises. Docteur Hubert, un don pour l'église de Matisso. Applaudissons. Le prophète Timothée est encore un don pour l'église de Tchopo. Il va leur dire un mot. Après l'apôtre Dieu de Mé. Et puis pasteur docteur Franck. Sima Molakisi Franck. Il va leur donner sa parole. Et mon mari n'a pas de soukista. Kola kouma manaye. Et l'on a mon aîné. Nagoki koyu sabino et zaboué que. Botambola. Na souci ma casse ya combattre la bergerie à Zambé. Parce que tant que Bazaraki Kotia Josué,
balobaki kazala capable ko bimana tropo pe azonga na bango donc il faut la capable au garder nature et écriture pour la bomba pejiri et ça les matates sont aux zones bali lo banazambe bampate babunga ba kene na ngambo msusu et kelemana lo lenge que au sepe là pour effacer combo na yo kokoma combo Jésus Christ et yo kokoma kona nene na kaka ministère et puis expose la parole de sorte que le peuple va vous a une offrande agréable à Dieu. Faites très attention pourtant voilà que pour la bossala au babenga ka bakolit na yo mais tant bon pour la bossala toujours ba disciple ya Christ que vous êtes na bino na ministère za eloko kitoko. Ce qui est apporté dans le ministère, en réalité, a commis boi à Batunios. On va confirmer qu'il boi na yo le lengue bisopé tout ça va boi. Donc, on sera vraiment au service de l'Église que le Seigneur a bongé la bino. Na yo son akombo na Jésus Christ. Soto komisi nzambe wete tozwi baleki mami babe tozwi baleki bayekasi na kosima musala ya kolo toli moke na kopesa ezali boyali boso ezali yeneme Paul Azoro va être veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. En faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'entourent. Gela Yomoko et c'est déjà le mot dans le cabinet, la même la destinée. Dans mon Saint-Gela Kawana, la bombe au Yinayo, pénalité en Yo. Nous sommes d'abord les Yomoko. Mais si vous voulez, c'est maintenant que nous sommes les Yokayo. Et nous sommes les Yokayo. Nous sommes les Zambé. Nous sommes les Yangote. Nous sommes les Yangote. Nous Yangote. Nous sommes les 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 C'est-à-dire, Toyete on a l'olendo. Nous sommes en Zambé, Azamba ton a connu qui tissa. Nous sommes en Zambé, Azalakanda qui sa, Yamanlini. Je dis ma pèse à Kanga et pas à Tatananga et pas à Bakayango pour l'aile, Tatananga dans la pasteur temps. Aïe, ça n'a le moment à l'oublier que Moussali en Zambé. L'idée na ya libuso izana no bomo ina ye moko. Sodo bi kana yo mabe mabe ote akamandimi ba bandaka kama kambyo sala ka ya mabe. Ya mona lendi si le kinangai. Na age ya mbula le kinga na mbula. Na yo zwa kambya ba grafe ya age te. Bo peti nangai docteur Ide. On a parlé de l'Emini, on a évoqué un Gouana, l'équipe, docteur, le prophète, Timothée Chelo, na petit Moussoussou, na Katia Selanga. La commission s'en vient à l'Emini, on est dans la Bangoué Zali, Tobakati, na Moussala, pour la parole de la Bangoué.
Cela veut dire que modèle wana de modèle yabasali. Donc ami posani yemoko naba posana yi. Oya koe kuzala nango. Po ami kaba nzoto motema pe limone mobimba na mosala. Yamone sala ki makasi ya Jésus. Comme il peut être la mi-colonios, puis comme on est la mi-colonios, et puis ça qui est longa, l'icolo ya satana, nazo sangisa maloba nangara maloba ya basal nanzame balika kiliboso, pour la kota lisete bakoti na katia bitumba officiellement, bitumba ya makas, bazala ange na monguna. Kolo apambo la bango na komonisi. Amen. On vient de répéter que docteur Ibé, dès aujourd'hui, c'est un man un don pour l'église de Macky Sall. Nous avons gagné le sous été Molakisi Ibé, Azali Likabo, Pona Ekelezi et à Macky Sall. En attendant, le prophète sera à l'église de Tchopo. Le pasteur Matatias. Cela n'invite pas que si Tchopo est dans les besoins, lui doit que rester là-bas. Non. Moi je crois que dès aujourd'hui, il faut qu'on travaille tel que le Seigneur le demande. Les hommes de Dieu qui sont à Macky Sall doivent aller fraîcher tout le temps à Tchopo. Ceux qui sont à Tchopo tout le temps à Mangobo. On ne doit pas être carré, non, parce que je suis de Mangobo pour que je vienne à Tchopo. Si comme Tchopo c'est le ciel, non. Tous les ministères reconnus dans nos assemblées de saints. Quand ils sont ici, ils doivent prêcher partout. Le ministère n'a pas de frontières. Amen. Et puis être bien reçu partout. Même celui qui vient d'Isiro, il est de Tchopo, de Mangobo, il est partout. Il ne doit pas souffrir de prêcher si comme il n'a pas le droit de prêcher. Encore une fois. Vous voulez dire, les femmes, soyez des modèles. Vous êtes bien, monsieur, par le diable.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore d'autres. Et puis mon tête, mon tout sous ma terre. Les gens qui m'ont approché, j'ai vu, j'ai mangé, j'ai et c'est pourquoi. Mais là, tu maintenant les autres, il y a des ministres qui ont l'habitude de manger les richibos. Ils vont le faire après moi. Amen. Ah, c'est comme ça. Et vraiment, on est content. Ça, ça a été sort de ces pays. Maintenant, nous voulons. Pardon? Oui. Yo. J'ai mieux. Pour les autres assemblées. Oui, les ministres vont expliquer. Bateau, elle va vous dire. Manger le gibier, c'est que le temps qu'on reste ensemble avec le disciple, vous parlez avec lui, vous partagez avec lui, vous écoutez les sons, c'est ça manger le gibier. Vous sentez que dans cet homme, le peuple n'aura pas faim. Même si nous ne sommes pas là, Jacob aura quelqu'un qui va les nourrir. Si d'autres les ministres ne sont pas là, même si le reste est seul, le peuple va bien manger. Vos ministres qui maîtrisent la parole de Dieu vont expliquer ce que c'est le gibier. Batoma le banabino le banzambe ba oyo ba sima le banzambe ba kolipo le banabino tina ya nyama wana. Maintenant, pour nous, ça ça est pour la biso. Ce que nous pouvons dire, que Dieu bénisse ses frères. Ce sont mes collègues, mes compagnons. Mais, je le veux le Père. Ce sont des collègues. Mais je le veux le Père. Amen. On n'est pas contre un ministère. Si tu vois un pasteur, un père qui combat un ministère, parce que ce père-là lui-même n'a pas de ministère. Nous aimons le ministère. Nous aimons le don. Toi tu m'as pas approché, je ne pouvais pas du coup. Et ça va, tu vas aller dans la vie, il y a mon ami, il y a un peu de jour. Ah, c'est un moment de la vie, il faut le faire. Bah, mon ami, non, la n'y a pas de moussala. Mais, quasi, je le veux, le Père. Non, tika, 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 tika. Ce sont des collègues. Bah, le Père, la moussala. Mais, je le veux, le Père. Quasi, nazalika, tika, tika. Amen. On n'est pas contre un ministère. Si tu vois un pasteur, un père qui combat un ministère, parce que ce père-là lui-même n'a pas de ministère. Nous aimons le ministère. Nous aimons le don. Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. La parole que nous allons lire, je ne veux plus vous prendre beaucoup de temps, car nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, demain, nous avons l'équipe pour ceux qui ont commencé l'enseignement avec nous. C'est demain que nous allons faire ce qu'on avait besoin de faire aujourd'hui. Parce que le temps, c'était prévu que la prière commence à 9h. Mais la prière n'a pas commencé à 9h.
Après cela, nous avons la réunion, le débat avec des hommes de Dieu, des disciples, des ministres. On aura besoin d'un repos. Nous allons prêcher. Et vous allez porter les vendredis encore, nous allons enseigner si Dieu nous fait grâce. Mon ami, t'as le fait que il y a encore beaucoup de choses qu'on va parler. Oui, les amis, dans ma cambo et délai pour aujourd'hui. Merci pour aller là. Mettons-nous debout pour la lecture de sa parole. Nous tiens les mains et tant qu'il y a des nous allons prendre Matthieu chapitre 18. Donc, on va montrer à Matthieu, mon capot, la zone, à mon avis. Matthieu chapitre 18. Je prends le verset 15. Si ton frère a péché contre toi, reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit accusé comme le membre de notre peuple. Et les collecteurs d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié du ciel. Nous avons encore un autre passage, toujours dans Matthieu, chapitre 11, verset 25. Mon capo, il y a Zomina Moko, il y a un petit peu de balai dans Mitiano. Matthieu, chapitre 11, mon capo, Zomina Moko, verset 25. C'est pourquoi, à ce moment, là, je ne sais plus la parole dit. Excusez, Matthieu, chapitre 11. Comment je pouvais dire Matthieu, c'est Marc, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, je répète, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Je répète encore, verset 25. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Nous allons dans Matthieu chapitre 6. Verset Matthieu chapitre 6. Verset 23. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel,
Soki na bongo okei kotumba mbeka na yone tumbelo. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et yo omi basi ete ndeko moko ya mobali asa na likambo moko kotele mela yo. 24, laissez ton offrande de barotella. Sika likambo na yo liboso na etumbelo. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Kele na yo kobongisa na ndeko na yo ya mobali. Oui, viens présenter ton offrande. Et yaka kobonza likambo na yo. Le dernier passage. Mokapo ya suka. Matthieu chapitre 6. Makayo mokapo la motoba. Matthieu chapitre 6. Matthieu mokapo la motoba. Là, nous avons besoin d'un verset 9. Voilà, nous venons à Bosenga ya mokapo moko oyo ya libwa. J'espère que c'est le verset. Na base te mokapo yango yango wana. Sinon, ça sera. Heureux ceux qui procurent la paix. Matthieu chapitre 9 et 6. 6 et 9. Non, non. Oui. Matthieu 6, prenons le verset 14. Aux doigts. Même, prenons à partir du verset 12. Aux doigts, vraiment, qu'il y a un ami balé. Matthieu chapitre 6. Matthieu au capo la motoba. C'est le dernier verset que nous allons lire. Et dans les capo la souka au tokotanga. À partir du verset 12. Kobanazela mo piazo mina mibale. Pardonne-nous nos offenses. Limbisa mabunga na biso. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lokola biso pe tozali ko limbisa to limbisi ba oyo bazangela ki biso. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, verset 14, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Toboki Kofanda. C'est une petite phrase de Jésus-Christ. Et moi mon capomoké ya Jésus-Christ. J'espère que je suis bien suivi. Na banze que vous allez pour la nanaï malamu. Car je ne sais pas si vous avez les sons au fond. Et là au fond vous nous suivez. Si vous voulez. Amen. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. La chose que Jésus a dit. Nous retenons une phrase. Jésus dit, pendant que vous allez faire votre prière, vous allez pardonner les fautes des autres. Pour que le Père Céleste vous pardonne aussi. Si vous ne pardonnez pas les fautes des autres, votre Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Quand Dieu ne pardonne pas tes fautes, ta prière ne pourra jamais atteindre les oreilles de Dieu. L'ensemble na yo et pourquoi matin na matoi yanzambe. Tu peux bien prêcher.
tu peux faire la démonstration des choses de Dieu. Tu peux prier toute la nuit, faire prier plusieurs jeunes, mais tout ce que tu fais n'a pas d'utilité devant le Seigneur. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné les fautes des autres, aussi longtemps que tu n'as pas pardonné celui qui t'a offensé. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. Alors, manquer de pardonner les fautes des autres, c'est un obstacle dans nos prières. C'est un grand obstacle dans l'exaucement de ce que nous devons obtenir auprès de Dieu. Les gens aiment bien prier, ils savent prêcher, chanter, danser, mais pardonner les fautes des autres, c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes. Même pour certaines églises. Mais les hommes de Dieu peuvent prier pour vous. Et tu peux aller voir un homme que tu crois qu'il a la grâce de Dieu. Il fait même la prière pour toi. Il prie pour toi. Et la prière n'arrive pas à être exaucé jusqu'à ce que pour toi ça doit être le péché de cet homme là de Dieu. Ou bien il n'a pas la puissance, c'est pourquoi Dieu n'a pas écouté. Or le problème ce n'est pas l'homme de Dieu, le problème c'est toi qui n'as pas la facilité de pardonner les fautes des autres. Alors nous sommes allés dans une phrase aussi de la Bible. Dans cette phrase, le Seigneur dit ceci: quand tu y es debout, pendant que tu y es debout, faisant ta prière, si tu as quelque chose en toi contre quelqu'un, ici la Bible ne dit pas, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ici la Bible parle de toi. Quand tu es debout faisant ta prière et que tu as quelque chose contre quelqu'un, le Seigneur ne dit pas de déplacer d'abord cette chose-là pour prier et reprendre cela après. Mais le Seigneur dit pardonne. C'est comme aujourd'hui. Nous voulons prier pour toi. Parce que cette journée des actions de grâce, nous voulons prier pour que Dieu te donne. Dieu nous a assisté et Dieu nous a fait voir qu'il a toujours fait des choses. Je ne veux pas que tu sois l'obstacle de ce que tu veux obtenir toi auprès de Dieu.
Si avant de venir ici, sortir vos sons à Koya, par ta famille, partout où tu as été, dans le ministère, dans l'église, quelqu'un t'a fait du mal. Moto moko asala ki o mabe. Et que tu as quelque chose contre ce quelqu'un. Pe ozala likambo moko ozali kotele mela moto wana. Je ne te demande pas d'abord d'oublier cela ou de déplacer cela. Nazali kosengo le tete o mo sona mo kine polongola yango. Et puis reprendre cela. Après la prière, non, je te dis pardonne pour que ta prière soit exaucée. Tiens, pour que yo. Je sais que dans l'évangile éternel, les gens aiment le pourquoi de chaque chose. La démonstration de la prophétie. Mais ces choses, par exemple, pardonner. N'a plus de place dans le cœur des frères et des sœurs de l'évangile éternel. C'est ainsi que nos prières n'ont plus d'efficacité. Et voici pourquoi nous avons le devoir de vous rappeler ces choses. Et la Bible dit encore, si tu veux présenter ton autel devant Dieu, si tu te souviens, là c'est autre chose maintenant. Ici on dit, tu as le souvenir que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ne faites rien. Laisse d'abord ce que tu voulais faire, l'offrande sur l'autel. Tika naïno, l'icabonayo, l'icône est tombé. Rentre, va chercher cet homme. Zonga kende kolukamotoana. Réconcilie-toi avec lui. Yokana naye. Après, reviens. Sima zonga lissus. Pour faire ton offrande. Bona kobonja, l'icabonayo. Dans nos églises, katna mikereza na biso, les prières n'ont plus d'efficacité. Abonde le gaïsus na nguya te. Dans nos familles, katna mabota na biso, ma sœur et mon frère, tu as offert à Dieu des choses plusieurs fois. Aussi, au manger les ambés, il a prié pour obtenir, par exemple, l'enfant. Aussi, au monde, il faut la cause en la qui s'amoine. Tu as prié pour obtenir, par exemple, du travail. Aussi, au monde, il faut la cause en la qui s'amoussala. Pour être guéri de ta maladie. Pour que ta situation change. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais. Après avoir prié, rien ne change. Jusqu'à ce que tu es fatigué. Kino Olembi. Tu es déjà fatigué. Olembi. Découragé. Olembi. Tu commences même à dire que l'Éternel soit loué. Or, ça n'a rien à voir avec l'Éternel soit loué. L'Éternel t'attend d'abord que tu apprennes comment pardonner. Le jour où tu vas pardonner cette personne-là, l'Éternel fera, te donnera ce que tu as besoin. Regardez pourquoi dans la Tina, nous sommes allés dans Matthieu 18. Ok, quand n'a beaucoup la matière, on va pour la zone à moins vie. Et cela est très important. Et après, dans les tombes, ma casse. Les gens ne peuvent pas prier avec des choses dans leur cœur. Il y a même parmi les hommes de Dieu qui dirigent les églises, et les prix qui prêchent. Mais ils ont la facilité de garder les choses dans leur cœur contre d'autres personnes. Même l'église que tu vas diriger n'ira pas en avant. Parce que ta propre prière n'est même pas exaucée. Aussi longtemps que ta prière n'est pas exaucée, comment toi tu pourras prier pour moi? La Bible déclare que le problème
a été connu dans, à l'époque de Jésus. Quand les disciples ont entendu Jésus parler de pardon, ils ont dit à Jésus, Seigneur, dis-nous, parce que c'est toi qui as la loi. Combien de fois pêche peuvent pardonner mon frère s'il m'a offensé? Ils ont dit à Jésus, j'espère que ça doit être que cette fois. Parce que cette fois dire que fini. Achèvement. Alors c'est pourquoi ils ont dit cette fois. Jésus a compris la pensée qui était en eux. Jésus leur a dit, je ne vous dis pas de pardonner cette fois. Mais Jésus leur dit, vous allez pardonner cette fois par jour. Disons 49 fois. Si je me trompe pas, 49 fois par jour. Pardon? C'est 60? 70 qui fait 70 fois 7 fois. Merci, voilà pourquoi, nous avons, voilà pourquoi nous avons le ministre. Donc, je voudrais dire ceci. 49, 90 fois. Par jour. Est-ce que vous comprenez cela? 490 fois par jour. Ça veut dire ceci. Docteur Kalo, je viens auprès de Manu. Je l'insulte. Après je reviens. Manu, pardonne-moi. Je te pardonne. Je pars. Le même jour. Après quelques minutes. Je reviens. Je l'insulte. Après je lui dis, pardonne-moi. Il me pardonne. Je repars. Je reviens encore. Je l'insulte. Je répare, je reviens, je l'insulte. Et chaque fois qu'il va me demander, qu'il va demander le pardon, même dans la nuance à vous faire la ici, tu dois pardonner. Et Sengeli Olibisa. Pour toi, ça, pour toi, voilà, yo, tu vas dire. Frère, j'ai pardonné déjà 4 fois. Non, ça devient une possession. Motoba, ça va, voilà comme il me dit mon petit. Est-ce que vous comprenez cela? On arrive au second. Et qui va? Il y a même ceux qui disent. Et là, on va voir le palobaka. Ça, c'est sa vie. Oh, les amis, des fois, moi, il aille. Frère, cette fois-ci, je ne te pardonne. Bah là-haut, des moments, il y a politique de tout ce. Dans nos foyers, même le mari, même les femmes arrivent à dire à leur mari, il n'y a pas 8 heures, je t'avais pardonné. Après, tu reviens encore. Non, il y a tout l'autre. Mais Jésus a dit à ses disciples, 44 90 fois par jour, tu dois pardonner. Les disciples ne m'ont donné la réponse. Seigneur, si telle est la condition, augmente-nous la foi. Baptiste la vision. Amen. Les disciples qui marchaient avec Jésus. Une fois ça se comprend. Deux fois oui. Non Seigneur.
Nous, on peut même dire qu'on pouvait supporter. Ils ont pensé que tu es à terre par la salle de l'eau. C'est une étonnante foi. Tu cours quand même, il est à tout le monde. Selon certaines prédications, certaines paroles, cette chose-là, ça c'est bébé. Non, pas quatre fois. Ça c'est la possession. Quand on a dit que ça m'a dit, à mon sous, on a dit que ça m'a dit, on a dit que ça m'a dit, on a dit. Vous pouvez prendre même cette personne. Vous commencez même à chasser les démons. Plus après cela, il revient encore. Il fait la même chose. Donc le discernement n'était pas bon. Vous n'avez pas bien discerné. Mais le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur dit, si ton frère pêche, si tu découvres que ton frère a péché, le Seigneur ne te dit pas, l'est informé, l'autre que celui-là a péché. Non. Le Seigneur dit, va, entre toi et lui seul. Entre seul à seul. Attention, c'est là où je vais faire asseoir la petite chose que je vais vous donner tout de suite. Eh bien, à mon avis, la confiance de Samuel, comme on quitte la confiance à lui. Le Seigneur dit, quand je découvre que mon frère a péché, ma soeur a péché, la Bible, le Seigneur dit que je dois aller voir mon frère. Pourquoi je dois aller voir le frère? Pour montrer à ses frères que ce que tu as fait est en contradiction avec la parole de Dieu. Et si ses frères, mais ce qui ne entre foutés, reconnaît à son ce qu'il a fait est en contradiction avec la parole. La Bible dit que tu as gagné ton frère. Et la discrétion reste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bonjour. Donc Dieu enseigne la discrétion. Zambe azali kolakisa kokomba makambo. Mais le Seigneur dit, kasi kolo alobi, si ce frère-là ne reconnaît pas que l'acte qu'il a fait, il est en contradiction avec la parole. Le Seigneur vous recommande la patience. Pour envers cet homme-là, le Seigneur dit, va prendre un ou deux personnes. Vous allez toujours auprès de celui qui a commis l'acte que toi, pour toi, c'est un péché. Et quand vous le voyez, vous allez expliquer la Bible pour prouver que ce qu'il a fait est un péché. Si votre frère reconnaît que ce qu'il a fait est en contradiction avec la parole et il demande le pardon, que la discrétion reste. Et le but meurt aujourd'hui. Parce que les églises meurent aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un pêche et l'autre voit son péché, il va
le voit, accueilli pour coutre à quand il reconnaît le péché, sautine de poisson son illusion. Le fait seulement de reconnaître ce péché là, en cas de la dégâts, c'est lui qui sort. Mon Dieu, il va dire aux gens, il a péché, il a même reconnu des femmes. À tout le monde, il a dit, il a dit. Et c'est ça ce qui détruit les églises. Et c'est ça ce qui détruit même l'œuvre de Dieu. Manque aussi de la discrétion. Un homme de Dieu. Une femme. Moi aussi. Un homme qui n'a pas de discrétion. Et qui aimerait la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun un homme. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callo? Allez sur christequality.com/albertcallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.